Et salut tout le monde, c'est Dortos et on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode numéro 11 de la folle histoire sur Yoshi Island. Donc on attaque le sixième monde, niveau 1. Allez, donc sixième monde, le dernier, hein, malheureusement. Terrifiant Albatros. Ah oui, c'est tout de suite pas du tout la même ambiance. Non. Le bébé, merci. Alors, hop. On va peut-être pas les cracher sur... Je l'avais pas vu, lui. Donc je disais, on va peut-être pas les cracher sur quelques... petits œufs. Voilà. En fait, je vais me planquer en dessous, on sait jamais. Ouais, non, ça servait à rien de se planquer en dessous. Alors, ah, c'est vrai que l'ambiance a totalement changé, hein. Alors, foiré, je me suis pris la bombe en pleine face. Oh là! Et je vois 5 temps en fait, mon pote. Hop, ça c'est fait. Hop, ça c'est fait. Non, le bébé. C'est bon. Hop. Changement de tableau. Ah putain, des chutes de chomchon. C'est bon. C'est vraiment dangereux, hein. Tu fais pas gaffe où tu mets les pieds, tu meurs. Et toi, tu descends avec. Ok, c'est bon. C'est bon. On survit. On prend le checkpoint. Et on va aller défoncer les méchants. C'est bon, les méchants. Ok, là c'est les méchants qui me défoncent, bon. Ok. Alors toi tu viens là. Non, tu ne mourras pas. Eh merde. J'aurais pu accéder à un endroit. Saloperie. Bon, tant pis pour les œufs, hein, parce que là. Hop. Ouais, tant pis pour les œufs, puisqu'on a du stock ici. Merde. Oh putain, j'y crois pas. Ah, je me suis fait niquer. Je pensais pas qu'il allait se poser sur le machin et que ça allait annuler mon saut. Pas grave. Hop. Et
il est sérieux là? Ah putain, faudra que je regarde la vidéo pour savoir comment il est tombé, parce que j'ai vraiment pas fait attention. Bon, j'étais sur le côté, je suis tombé. Bon, allez, on recommence encore une fois. Mais non, mais il est sérieux là? Ah putain! Bah, faut que je me calme, que je me détende. Surtout que j'ai soif et que j'ai plus rien à boire là, mais bon. Voilà, hop, pour l'instant on est bon. On fait gaffe au saut qu'on fait. Non, je le vois pas de là. Voilà. Plein vol, ça c'est la classe. Allez, dégage, dégage. Bon. Voilà, là c'est bon. Et évidemment, le seul moment où je veux passer à une bombe. Mais pas grave. Venez par là mon bébé, t'inquiète pas, ils sont partis les méchants. Voilà. Il est un petit peu hard quand même ce niveau. Enfin c'est juste moi qui suis mauvais là surtout. Le jeu lui-même n'est pas compliqué. Ah excusez-moi. C'est la fatigue qui commence à arriver là. Allez, niveau 2. Chaud les brigands. Ok, ça commence déjà moyennement parce que c'est une grotte. Ah putain. Évidemment, on peut pas les avaler. Hein. Bon, ça passe. Pourrais-je passer, merci. Et tant qu'à faire avec mon bébé. Merci. Bande des salopios là. Regardez-moi ça. Bon. On est où? Checkpoint. Tant mieux, parce que ces niveaux-là sont vraiment chiants. Ah ok, ils s'envoient un petit peu les... Bon, pourquoi pas, mais bon. Ah oh, putain. Viens par là, toi. Je veux te gueuler. Bon, ça passe, on survit, on monte, on descend, on avale, on se cache, hop. Eh ben, ça, c'est de l'esquive. Ah, checkpoint, avec le bébé qui va fermer mes yeux. Ah oui, je me souviens de ce niveau-là.
Ah, on a eu de la chance. Eh merde, le bébé ne peut pas passer le... le truc final, dommage. Ça aurait été marrant. Alors, le niveau suivant... C'est quoi? Ça ne me dit rien. Du moins à l'image. Bûche tournoyante. Et si ça me dit quelque chose, ça pue. Encore un connant du machin, tu peux savoir si ça pue ou pas. Bon. C'est bon, ça se sort. Ou pas. Oh non, pas les cotons. Non, pas les cotons. Non. Pas ici, ça pue trop. Dégagez. C'est bon. Tant qu'il n'y a plus d'autres cotons, c'est bon. Au. On va essayer de passer le checkpoint avec tous les œufs, comme ça j'aurai pas besoin de la récupérer à chaque fois. Voilà. Alors je sais plus comment je faisais. Voilà. Alors, hop, on esquive. Toi, tu décèdes. Non, pas moi. Moi, je survis, s'il te plaît. Non, oui. Ok, j'ai fait glitcher la pierre. Allez, on passe. Alors. Ça va, ce niveau-là était moins compliqué en fait. Plus difficile quand tu... Enfin, je sais pas. En termes de difficulté, je sais pas. Bon. C'était juste les rondins qui tournaient, qui devaient être galère si j'avais pas eu plus de bol que ça. Entre du gros bobo. Alors, l'entre du gros bobo, ça, je me souviens du boss. Après, du niveau lui-même. Je sais plus du tout, là. J'ai un trou de mémoire. Hop. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Ah. Oh. Oh, tiens. Hop. Comment passer facilement? T'attends de te faire toucher. Et qu'est-ce que je fous là-haut, moi? Ah là, nique la police. Voilà. Bonjour. Dégage. Hop. Au revoir.
Peut-être tu passes dans un tuyau pour ressortir aussitôt, quoi. Alors, une clé à gauche. C'est bon à savoir. Ah. Alors. C'est bon, on a de la chance, il est pas mort au mauvais endroit. Je crois que c'est lui qui me donne la clé. Ouais. On va peut-être aller chercher des œufs aussi. Hop. En fait, le coup de sauter à côté du machin, je l'ai eu en jouant la version New Yoshi Island. Je savais pas qu'elle marchait déjà à cette époque-là. Donc bon. Hop, voilà. Bonjour, y a-t-il quelqu'un par ici? Hop, des points. On avale la dernière étoile, hop, on est à 30 étoiles, ça c'est cool. Où sommes-nous? Eh putain, oui, c'est bien le niveau que je redoutais, juste cette histoire de tuyau. Non, le bébé, rends le bébé, merci. Parce qu'il faut que je trouve la clé qui va me permettre d'accéder à l'endroit où je veux aller. Alors, vu le bordel que c'est en bas et qu'il y a une fleur, c'est que ce n'est pas ici. Alors, allons voir tout en haut. Ce n'est pas par ici, on repart. Oh putain! En fait, là, ce que j'essaie de trouver, c'est le... Comment vous expliquer? On va bien finir par tomber dessus, voilà. Voyez ça? Il me faut une clé pour l'ouvrir. Tant que j'ai pas cette clé-là, on ne peut pas y aller. Évidemment, c'est par là que se trouve la fin du niveau. Des pièces rouges, donc on s'en va. De toute façon, on va finir par la trouver la pièce. Hein. On va essayer tous les tuyaux, toutes les sorties, tous les passages et tous les bandels. Non plus. Est-ce que c'est ici? Non, bon, bah on repart. Enfin, j'ai une petite idée de ce qu'il faut que je fasse, faut juste que je le retrouve, le machin. Tiens. Voilà, si, si. Vous voyez, là c'est raté. Donc il faut que je ressorte chercher des œufs. Des œufs qu'on va trouver je ne sais pas où. Ah bah ici. En espérant qu'ils reviennent à chaque fois. En gros, si je joue pas assez bien les rebonds des œufs sur les murs, bah. Je pourrais aller me faire foutre, la bestiole ne crèvera pas. Thank you.
D'abord. Allez, file-moi cette clé. Merci. Bon, maintenant, il reste plus qu'à retrouver le... l'accès avec la clé. Sans mourir. Voilà, c'est là. Hop. Voilà, c'est bon, on y est. Hop. Le checkpoint, parce que ça, c'est magique. Où j'y suis? Bonjour. Oh non. Je préfère pas prendre le risque, peut-être que j'aurais pu passer en sautant, non. Bah si, j'aurais pu, mais il aurait fallu que j'appuie à la frame prête. Enfin, prêt. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Parce que je joue avec une manette de PS3 et pas une manette cheatée de la mort qui tue. Donc on avance, tranquillement. Ouais, non, ça aurait été infernal à faire. Oh, ce troll! Oh, l'enfoiré, je l'avais pas vu venir. Bah, je l'ai vu, mais le temps que je réagisse, bah, j'étais déjà mort. Ah, le pire, c'est que c'était la fin. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est de la lave, quoi? Ça pardonne pas. C'est one shot direct. Tiens, si je le mets comme ça, je me déplace plus vite. D'accord. Et non, pas cette fois-ci, espèce d'enfoiré. Enfin, j'étais à la fin. À la fin de la lave, quoi. Et à la fin du niveau, tout simplement. Tu commences vraiment à me fatiguer, toi, mais tu n'iras pas plus loin. Ça, c'est certain. Alors. Et voilà, il est mort. Vraiment con ce boss. Le design est sympa, enfin l'idée est sympa de devoir casser les blocs en dessous pour le faire tomber. Mais... voilà, ça c'est fait. Gagné. Hop, on gagne les 3 points. Et voilà, donc les amis, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et bye tout le monde.